Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors sur ma chaîne YouTube, les gars, vous allez retrouver tous les défis de ce chapitre 4. Donc s'il y a un défi que vous n'arrivez pas, eh bien vous allez sur ma chaîne YouTube et vous le trouvez. Ou alors vous marquez sur la barre de recherche YouTube votre défi, par exemple visiter la citadelle, etc. Entre parenthèses ou plus loin avec marqué Ensu. Donc c'est parti, on va lancer tout de suite la partie. On n'oublie pas évidemment le code créateur Ensu dans la boutique Fortnite pour acheter le pass de combat ou même des skins. Ça m'aide énormément, je vous le rappelle, je suis un petit youtubeur de 5000 abonnés, je suis pas un grand youtubeur d'un million qui a 100 000 soutiens. Moi, j'ai pas beaucoup de soutien et donc ça me ferait très plaisir et puis ça évite de donner à des grands youtubeurs qui ont déjà beaucoup beaucoup de soutien. Donc c'est parti, la game se lance. Le défi, on l'a déjà fait les gars, mais il faut le refaire parce que c'est un défi en plusieurs étapes. Donc c'est parti. On est parti pour la deuxième étape de ce défi. Mais après, on va pas se plaindre, hein. Ils nous donnent des défis gratuits. Nous, on va les faire. Vous pourrez vous dire, ça sert à quoi que tu refasses le défi? Tu l'as déjà fait, c'est la deuxième étape, on sait déjà comment faire. Tout simplement parce que, imaginez quelqu'un est débutant au jeu et il voit que le défi, il l'a déjà fait. Et il se dit, pourquoi il y a encore le défi? Est-ce que c'est un bug? Et bien comme ça, il va voir que c'est pas un bug. Il a juste tout simplement deux fois le même défi et c'est pas un bug. Donc voilà. Et que, comme je vous l'ai dit en plus les gars, je vais faire tous les défis. Ça veut dire même s'il y a un défi très 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 facile, je l'ai fait quand même. Imaginez, il y a des débutants qui savent pas faire les défis. Et bien grâce à moi, ils pourront le faire. Et puis évidemment, les défis les plus durs, je les ferai aussi. Donc c'est parti. La partie se lance. Évidemment, je suis sur mon compte secondaire. C'est pour ça que j'ai un petit skin Bambi parce que j'ai déjà fait les défis sur mon compte principal. Donc let's go. Comme ça au moins je connais déjà les astuces. Donc pour faire le défi le plus vite possible, vous sautez directement du bus. On va atterrir directement sur la map, vous allez voir. Donc je vous conseille de camper. Comme ça si vous campez, ben, vous vous faites pas tuer. Parce que si vous vous faites tuer, vous perdez du temps et faut relancer une partie. Parce que le défi ne marche pas si vous mourrez. Donc c'est parti. Hop. Évidemment les gars, il n'y a pas de montage dans les vidéos. Pourquoi il n'y a pas de montage? Comme ça, vous voyez que c'est en temps direct. En temps direct, ça se dit? Je sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est en direct. Enfin, c'est pas un live, mais je le fais en direct en vidéo. Comme ça évite de faire du montage. Et vous vous dites, ouais, ça se trouve, le mec, il a mis 2 heures à faire le défi. Il nous fait un montage. Bah non, moi, il n'y a pas de montage. Vous voyez que la vidéo, en 5 minutes, c'est fini. Et vous pouvez le faire chez vous, pareil que moi. Carrément, vous lancez votre jeu en même temps que moi. Hein, et puis vous faites le défi en même temps. Donc les gars, pour ce défi, maintenant qu'on est en partie et qu'on a bien parlé, alors déjà, vous allez aller dans vos paramètres. Hop, paramètres. J'espère que vous êtes sur PC, mais sur console c'est pareil. Et vous descendez tout en bas. Vous remontez un petit peu. Et au-dessus du mode créatif, vous avez entrée de renfort. Et cette option, vous pouvez la changer que quand vous êtes dans une game Fortnite. Si vous êtes dans le lobby, ça ne marche pas. Et donc, vous devez changer la touche. Donc moi, j'ai mis trait d'union, puisque je suis sur PC. Pourquoi faut changer la touche? Parce que de base, c'est une touche anglaise. Sauf si vous êtes sur manette, mais sur clavier souris, c'est une touche anglaise. Et à part si vous faites la touche Windows espace pour mettre votre clavier en anglais, ça ne sert à rien. Et donc, faut changer la touche. Hop. Donc le défi, il va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est un défi où il faut patienter. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller dans un buisson. Parce que imaginons vous rushez tout le monde. Vous avez vu le temps que j'ai mis déjà à camper. Donc ça c'est du temps en plus que vous pouvez perdre à mourir. Donc si vous voulez être sûr à 100% de faire le défi, hop, on campe. Et il n'y a pas de mal à camper les gars. Surtout quand c'est pour des défis. Et donc vous voyez sur mon écran à droite, il y a un petit timer qui arrive. Et donc c'est au-dessus de mon inventaire. Hop, dès que le défi est là. Vous appuyez sur la touche que vous avez configurée, donc pour moi c'est le 6. Et là vous allez choisir l'un des deux. Vous prenez celui que vous voulez, ça ne change rien. Hop, et vous voyez en haut à gauche, défi validé. On va évidemment quitter. Hop. Parfait. Et on va vérifier que le défi est bien validé. Hop. On va dans nos quêtes et on voit que le défi a été validé. Évidemment, on n'oublie pas le code créateur Ensu dans la boutique Fortnite pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Vous n'oubliez pas le like, le pouce bleu, c'est exactement pareil, pardon. L'abonnement et le commentaire. Et puis sur ce, allez, ciao!